C'est-à-dire que si Israël est devenu très fort, c'est que les Arabes sont devenus très faibles. Et il n'y a pas de mesure. Comment expliquer ça? C'est que, d'abord, il y a eu la destruction de pays comme l'Irak, la Libye. C'est un signe qu'on a envoyé aux Arabes, aux dirigeants arabes. On leur a dit, voilà, si vous voulez faire une politique nationaliste, indépendante, d'instruction, de liberté pour les femmes, d'administration du pays, etc. Si vous refusez la tutelle de vous soumettre à l'Occident, voilà ce qui va vous arriver. Et vous savez, les prétextes, on peut toujours trouver un prétexte pour détruire un pays.